Bonjour à toutes et à tous, ici Chacha38 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter le Twixidia Pawn Tunes. Donc Pawn Tunes est un Twixidia qui est disponible à 6,99$ sur le Cydia Store, créé par Spirit of Logic et il est en version 1.4.0.4-1. Alors je vous explique le principe de ce tweak. Il sert à mettre des vidéos, photos, musique ou tout autre type sur votre iPhone sans passer par iTunes. Donc c'est vraiment un tweak exceptionnel car vous n'aurez pas besoin d'avoir iTunes ou de l'ouvrir pour mettre vos photos, vidéos, musique ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre vos dossiers directement depuis votre ordinateur. Donc voilà pourquoi c'est un tweak si exceptionnel. Donc il est au prix de 6,99$ comme je le disais. Il va vous permettre, comme je le disais, de mettre vos photos, vidéos depuis votre ordinateur. Et nous allons passer au réglage pour voir ce qu'il propose. Normalement, vous ne devrez pas toucher les réglages et les laisser comme ils sont. Donc ici, Generate Playlist est activé, tous les autres sont désactivés. Je vous conseille de les laisser désactivés pour le moment. Ensuite, nous allons passer tout de suite à l'ordinateur pour voir ce qu'il propose. Et me voici dès à présent sur mon ordinateur portable. Et comme vous pouvez apercevoir, je suis dans mon iPhone, donc iPhone de Charlie, comme vous pouvez voir ici. Quand vous cliquez sur Internal Storage, d'habitude, vous avez que DCIM qui apparaît. Et bien maintenant, vous avez tous les produits dont vous avez besoin pour mettre vos films, musique, vidéo ou tout autre type d'application sur votre iPhone. Donc par exemple dans My Music, vous n'aurez rien, c'est normal. Dans Misc, ici vous avez les composants. Dans Download, vous avez les téléchargements. Dans iTunes Music, ici vous avez toutes vos chansons donc, qui apparaissent comme ceci. Donc voilà. Ensuite, dans iTunes Purchase, vous avez les achats que vous avez fait sur iTunes. Ensuite, vous pouvez désormais ajouter dans Download vos fichiers vidéo, vos fichiers images dans DCIM, bien sûr, et tout autre type. Donc voilà pourquoi cette application est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était Charlie pour la présentation de Pawn Tunes. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce tweak et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos, me suivre sur Twitter et ainsi aimer ma page Facebook. Ciao!